Mesdames et messieurs, bonjour. En l'absence de difficultés notables, on imagine aisément que les équipes de sprinteurs prendront le contrôle de la course pour provoquer une arrivée groupée. Ce sera ensuite aux sprinteurs de saisir leur chance pour succéder à Marcel Kittel, dernier vainqueur à Pau en 2017. Effectivement, allez, on voit le village de Trie-sur-Baïse derrière. On en sort pour aller en direction de Pau. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez vraiment tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2018, l'étape 18 de ce Tour de France en direct avec la BMC, le maillot jaune est bien sur les épaules de Richie Porte pour l'instant, mais c'est pas fait, il va rester une étape de montagne et un chrono et on va prendre l'échappée aujourd'hui avec Greg Van Avermaet pour aller chercher un max de points en maillot vert et pourquoi pas aller chercher une victoire étape aujourd'hui. Je vais dire à Patrick Pevin de suivre les attaques puisque je vais demander de l'envoyer dans l'échappée pour reprendre quelques petits points en maillot vert, quelques petits points à la combativité par contre. Et du coup, on va pouvoir se caler dans les roues en plus avec Greg Van Avermaet pour faire le moins d'efforts possible. Allez, deux coureurs très très bons pavés, deux coureurs parmi les meilleurs au pavé. Entrant ensemble. Et oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, 7, ça me semble un peu beaucoup pour une étape de plaine. Je sais pas si ça va laisser partir ou là. Je sais pas si ça va laisser partir. Cachavanel, B20, ça a l'air de partir pour l'instant. On est 6. 6, je pense que ça peut laisser partir quand même. Hein. Je pense qu'on peut laisser partir au niveau du 6. Mais ça te fait quoi? Mais Nibali, ça lui fait quoi en fait? Qu'est-ce que ça change à Nibali? Est-ce qu'il a envie de remporter l'étape? Je sais pas. Regardez, Van Mark qui l'attaque. On arrive à le suivre en restant sur notre selle. Est-ce que Nibali veut gagner l'étape? Parce que là, il roule derrière nous. Ah, oh, mais c'est chiant. Je vais pas pouvoir prendre l'échappée avec Patrick Bevin. Du coup, ça veut dire. Écoutez, on va pas rouler avec Van Noir puisqu'on a un équipier derrière, donc ça serait tout logique. Je sais pas, non, ça a pas l'air laisser partir. C'est la Sky qui contrôle. Je pense que la Sky elle laisse partir. Hein. Je pense que la Sky elle laisse partir. Oui, collabore avec les adversaires. Donc ça sert plus à rien ce que tu fais là. Et donc il y a Postelberger, Sylvain Chavanel, Patrick Bévin, Simon Geschke et Seb Van Mark. D'accord, j'ai lâché sa roue. Je vais attendre que Patrick Bévin rentre, écoutez. Et c'est pas trop ce qu'il a l'air d'avoir envie de faire. Sur le Tour des Flandres. Je vais donner son gel, écoutez. Juste prendre un petit peu de gel rouge. Mais ils sont fous, Nibali. Nibali, qu'est-ce qu'il a à faire de cette étape, sérieux? Je vais passer dans le peloton pour voir si ça roule. Non, ça roule pas. Hein. Ça roule pas du tout. Mais ça roule à combien? Ça roule à peine 70, normalement ça passe pour partir. Hein. Ça passe pour partir normalement. Allez, faire rentrer Patrick Bévin parce qu'on est surtout là pour la combativité avec Bévin. Nous, Van Avermaet, on est là pour peut-être aller chercher une victoire étape, mais avec Bévin, on est surtout là pour la combativité. Voilà. Allez, je vais laisser le relais à Simon Geschke. Il sera difficile à rattraper et il vaut mieux pour lui arriver seul. Que des bons rouleurs, là on a à l'avant. Pas Lucas Postelberger, Seb Van Mark, Greg Van Avermaet et Sylvain Chavanel. J'ai aucune idée de si Seb Van Mark a déjà gagné une étape sur un grand tour, vous me direz. Mais en tout cas, les trois autres, ils en ont déjà gagné une. Simon Geschke avait gagné à Pralou sur le Tour de France et Patrick Bévin, je pense pas. Allez, rentrer, ce serait bien là. Ce serait bien de rentrer comme ça. Bah, on est rentré, voilà. On est dans la plus logique des logiques. On n'arrive pas à rentrer, allez, prends le relais, Geschke. 1 minute 22, ça laisse pas trop partir. C'est peut-être le fait qu'on soit deux, mais bon, au fond, quand tu vois les équipes qui roulent, quoi. Sky, Movistar et Bahrain Merida. La Bahrain, ok, il y a Colbrelli, mais en plus il disait que c'était Nibali qui voulait faire rouler. Allez, allez, rentrer. Au pire, on peut prendre le gel, puisque de toute façon, on va pas vraiment en avoir besoin avant. Après, c'est pas comme s'il y avait de la montagne, donc on va prendre le gel. Allez, rentrer, ce serait bien là. Le peloton, il a 6 minutes 30, mais il laisse pas trop partir non plus. Van Avermaet, il collabore. Allez, on va prendre le gel. De toute façon, c'est pas grave, au pire, on va pas en avoir besoin après. Allez, juste rentrer pour pouvoir un petit peu simuler. Et se mettre à la première côte de la journée. Qu'on va disputer pour pas bah voilà, tout passer l'étape en une seconde. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il roule que à 90? Moi j'avais envie de rouler à 100 pour revenir. Et ça veut pas. On n'arrive pas à rentrer. C'est chiant ça. On reste derrière justement. Là on perd un max de kilomètres à la combativité là. Ah, c'est énervant. C'est énervant d'être à 10 secondes à peine. Et que ça se relève même pas pour nous attendre alors qu'il y aurait tout intérêt. Hein. Allez, passe Geschke. Geschke, il passe, mais il passe pas. Ouais. Il passe pour rouler à 90 alors que là, justement, il y a besoin de rentrer rapidement.
Et ouais, une 43, ça laisse pas la Movistar. Qu'est-ce que t'en as à faire de la Movistar à cette étape? Qu'est-ce que la Movistar a à faire de cette étape? Personne classé au classement général, le mieux c'est Van Avermaet, il a 51 minutes, donc désolé si Quintana se sent menacé par sa deuxième place. Pour sa deuxième place. On va pas rentrer à force, hein. À force, on va pas rentrer, c'est rageant ça. Une 50, allez, faut que ça arrive à 2,20 pour que ça s'arrête totalement de rouler et qu'on puisse rentrer. Allez, peut-être profiter des virages là pour rentrer. Juste rentrer, allez. Allez, allez, ils sont juste là, ils sont juste là. On a distancé de Gishku, mais bon. Il a pas l'air trop décidé à passer derrière les pour l'instant. Et allez, rentrer dans ce groupe. Rentrer dans ce groupe, ok. Ouh, on est rentré, j'ai un peu pris la route Chavanel. Au hasard comme ça. Mais il s'en fout Quintana. On va repasser dans le peloton pour voir ce qui se passe, mais normalement Quintana il s'en fout quoi, enfin je sais pas. Mais non, ça roule, mais ça roule à combien? Ça roule à 50, ça roule à 70, ouais mais. Et pourquoi la Sky elle roule quoi? Mais where is le réalisme quoi? Where is le réalisme? Mais il s'en fout! Il s'en fout, Froome, qu'il y ait deux équipiers à l'avance, ça l'intéresse pas cette étape. Justement, il devrait laisser partir. Écoute, on va prendre Van Avermaet, on va simuler un petit coup. Pour voir si la situation s'arrange. Et ça laisse un petit peu partir, sans rien de passer les devins là. Passer les devins. Allez, ok, on passe les devins. Ok, On c'est dirait bon. que vous avez un bon de sortie de la part Bon, du ça a l'air peloton. enfin de laisser un bon de Je vous sens sortie. utile. Et je vais prendre Bevin pour dire. Avant d'avoir mat, justement, de rester dans les roues et de pas faire d'efforts. Il y a moyen d'aller au bout sur cette étape. Du coup, je vais prendre 20. Il y a moyen d'aller au bout sur cette étape. Mais il va falloir bien gérer. Non, le peloton qui revient à 2,10. Hein. Le peloton qui revient à 2,10, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool. Non, 2,20, c'est bon. Mais ça laisse pas beaucoup d'avance. Donc là, si on va aller au bout là, avec échappée, c'est pas top. Ah, bah, B20, non, mais 2. C'est toujours les mêmes là, quoi, la Sky, la Movistar, sérieux, sérieux Cyanide. À un moment, à aucun moment là, à la rigueur, je veux bien qu'une Bora ou qu'une Quickstep roule. Là, je comprends, vu que c'est quand même des vrais sprinteurs qui peuvent être en danger sur le fait qu'on soit de l'avant. Mais la Sky, la Movistar, c'est la Sky, la Movistar qui roule. Bah non, bah non. Allez, on se met à la côte, 2,12, hein, ouais, ça laisse toujours pas d'avance, quoi. On va repasser sur Greg Van Vous Avermaet êtes à pour 2 km tenter de jouer du le point vainqueur. là. Je sais pas si. Je pense pas qu'ils vont être Les intéressés autres réellement sont par le poids là, de la ils vont montagne, pas mais ça se lâcher. trouve. Ils vont sûrement essayer de se lâcher. Bah oui, mais il y a B20 qui roule. Oh non, mais là, faut pas arrêter. Faut arrêter là. Vous avez entendu ce que le mec m'a dit? Il m'a dit, les autres en ont marre que tu ne roules pas, ils vont sûrement te lâcher. Attention à lui, c'est le meilleur J'ai puncher de Patrick l'étape. B20 qui roule pour moi, les gars. Sérieux. C'est pareil que un peloton. Là, on peut dire que c'est l'étape du réalisme, on est d'accord. T'as la Sky qui roule derrière nous sur une étape de plaine parce qu'on est trop à l'avant. À la rigueur, c'était l'an dernier avec Vianney, je veux bien, mais là non. Là, c'est pas du tout avec Vianney. Et puis, t'as eux qui veulent pas que. Qui veulent me distancer parce que je roule pas alors que je suis avec. Je suis avec Patrick Bévin. Bon, allez, on est dans la côte de Raymond. On va tenter de passer en tête avec Van Avermaet juste pour le truc. Histoire de quoi. Mais bah, ça revient. Ça revient, ça revient. Bon, Bévin, s'il fait quelques kilomètres à la combativité, c'est cool. Il a combien en montagne pour voir s'il peut éviter d'attendre 69 montagnes. Ok, ouais, bah, il sera bordé, hein, ça c'est sûr. Quoi, mais ça revient si fort? La Sky encore, la Sky, sérieux, la Sky, C'est qu'est-ce que bien, vous avez à il a faire qu'on soit remporté à le dernier l'avant à vainqueur. tout, sérieux. Ça évite que le concurrent ne À prenne rigueur, trop de ce serait points. la Bora, même la Bora qui roule, quoi, y a aucun intérêt vu qu'il y a Postelberger à l'avant. Mais à la rigueur, ce serait la Quickstep qui roule. Je veux bien. Mais là, c'est la Sky et la Movistar qui roulent, sérieusement. Oh là là. Tes compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer Bah non, le on va se mettre rythme. au sprint, t'allais dire, puisque c'est surtout une des raisons pour laquelle on est à l'avant. Mais oui, c'est. Bon, B20 aura pris quelques kilomètres. Va falloir en reprendre hein, Vous êtes demain et mieux sur les placé au champs. général dans Si on l'échappée. veut remporter ce classement de la combativité avec Patrick B20, qui pourrait être une belle récompense pour lui pour tous ses efforts. Et non, Vous êtes mieux c'est. Parfois, placé on pour le croira que vainqueur. c'est en fin partie, mais non, c'est pas en fin partie du tout. Et oui, là, Vous êtes mieux placé 2,25, que quoi, et puis l'échappée pour le c'est classement dingue, quoi, on est mondial. sur une étape de plaine, c'est la Sky et la Movistar qui gèrent le tempo. Alors qu'en plus, ils sont même pas maillot jaune, quoi, c'est nous le maillot jaune. Allez, on se met au sprint, t'as dire, c'est surtout pourquoi on est là dans cette échappée aujourd'hui.
Je sais pas s'ils vont le jouer, en tout cas nous on va tenter de passer en tête. Et puis il va y avoir voilà le classement grimpeur juste après. Ce classement grimpeur il sera pas répertorié en vrai. En tant que cas il me semble. Les deux là ils seront. Mais celui-là il me semble pas. Ouh ça attaque pour le sprint, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, je pensais qu'ils allaient pas sprinter mais non. Oh non ça c'est con. Ça c'est con, au moins passer Chavanel. Au moins passer Chavanel et on va passer. Oh non. Oh non j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai fait vraiment n'importe quoi en parce qu'en troisième position, mais je pensais qu'ils allaient pas sprinter. Je pensais qu'ils allaient pas sprinter. Bon bah c'est dommage. Du coup derrière ça va sprinter, allez B va rentrer. Je vais me mettre à l'arrière pour qu'il rentre le plus rapidement possible. Voilà. Et Sagan qui est le seul à sprinter toujours. Qui a pris 9 points, mais c'est con, attendez, j'ai vraiment fait le con là. J'ai vraiment fait n'importe quoi. On va jouer le prochain grimpeur pour passer pour tenter de passer en tête. Il me semble que c'est 800 mètres à 8% à peu près. Vas-y, DJ, fais péter le son. Les souvenirs. 2,40, mais bon, c'est parce que Sagan est sorti. Hein. Allez, côte de l'Anglaise. On va même simuler un petit peu. Mais c'est con parce qu'en fait, il joue. Ah merde. Bon, bah, je vais pas passer en tête finalement, c'est pas grave. C'est con parce qu'il joue pas les grimpeurs. Mais il joue les sprints. Justement, en vrai, ce serait totalement l'inverse. On va prendre le gel. Et on va direct se mettre avant la dernière côte de la journée. C'est original, hein, le sprint qui se fait direct enchaîner par le ravitaillement et par une côte. Et B20 va déjà lui donner son gel. Écoutez, il est là surtout pour les kilomètres. Hein. Il est surtout là pour les kilomètres. Il n'est pas là pour aller au bout. Comme ça, nous, il nous permet de nous reposer dans les roues. Et bah finalement j'ai peut-être pas pris j'ai peut-être pris la chapelle pour rien. C'est surtout parce qu'il y a Bevin à l'avant. C'est surtout parce qu'il y a Bevin à l'avant, mais ça se trouve on va pas aller au bout avec l'échappée. Après c'est possible, ils ont enfin laissé 6 minutes, la Sky s'est en zindi. Ah, on a peut-être aucune chance d'aller s'imposer aujourd'hui, non? Ah ok oui peut-être alors. Mais je rate trop de rien du tout, il y a Patrick Bevin les gars, sérieux. À un moment. Allez, Bevin il va se faire lâcher, du coup on va commencer à collaborer véritablement. Attendre, ça sert à rien ce que tu fais. Allez hop, la vidéo de l'étape 17 qui est mise en ligne à l'heure où je vous parle. Et ça roule à l'arrière déjà, hein. Une 35. B20 qui risque de se faire décramponner, être en délai, ce serait le comble. Mais ça attaque déjà, ça attaque déjà. Postelberger, oh non, c'est Chavanel qui tente une attaque dans ce petit village là. Et on va suivre, on va suivre. On peut pas se permettre de laisser partir à ce moment là. Peut-on qu'il est déjà revenu à 1,18. Finalement, j'ai peut-être pris l'échappée pour rien. J'ai peut-être pris l'échappée pour rien avec Craig Van Avermaet. Sympa ces petits villages en tout cas. Il y a une église par village. Bah, après, je critique pas vu que ça se passe comme ça en vrai. Hein. Allez, du coup, avec cette attaque, on a pu reprendre 15 secondes en plus. On va juste simuler. Je pense qu'on va jouer la fin de l'étape ensemble après. Chavanel qui a retenté une attaque. Chavanel qui est comme en vrai, hein, comme en vrai. Il tente vraiment des trucs. Allez, 1 minute 1. Pour les moins rapides au sprint de tenter une attaque de loin. Mais attention, le peloton n'a pas dit son dernier mot et il est peut-être préférable que les échappés continuent d'unir leurs forces. Je pense qu'avec Van Avermaet par exemple, on va pas directement tenter quelque chose, ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien. Allez, la bosse à 20 km de l'arrivée. Peloton qui est déjà là. J'hésite à l'attendre, on va pas l'attendre quand même. Hein. On va pas l'attendre. Ça servira à rien. Ça servira à rien. Ça se trouve, on peut aller au bout et puis ça se trouve, on l'attend comme un con. Il y a Geschke qui tente les points. Geschke qui tente les points, il attaque, je pense. Hein. Il attaque Geschke. Bon, les points, on s'en fout au pire. Justement, si on les avait vraiment voulu, j'aurais fait attention à l'autre côte, mais là non. Donc, oui, la barbe qui commence déjà à être bizarre. En même temps, on est dans la côte là. Donc, c'est compliqué pour Grégory Van Avermaet. Van Avermaet, même. Comme ils le mettent sur PCM, pardon. Allez, on va passer en tête, mais ça, on s'en fout. Ok. Oh, Geschke qui tente une attaque sur le sommet. Et personne ne veut rouler. Si, ça roule, ça roule, ça roule. Allez, on va prendre notre gel déjà, je pense. Finalement, en fait, c'est le fait que j'ai mis Patrick Bevin dans l'échappée. Hein. Ok, personne ne roule, on va tenter une attaque. Ah, si, bah.
Faut savoir si tu roules ou pas, parce que tu roules, tu t'arrêtes. Faut savoir. Allez. Allez, Greg Van Avermaet, on va reprendre notre gel un peu. Et Postelberger qui roule, on va le collaborer, on va relayer. Allez, on est parti pour jouer ces 20, ces 16 derniers kilomètres qui risquent d'être une bataille haletante entre le peloton et l'échappée avec, avec Van Avermaet. Va y avoir une petite descente, hein, justement. Qui dit côte, dit descente. Et bah justement, il y en aura une dans quelques kilomètres pour pouvoir récupérer des efforts effectués dans la montée. Et puis on sera parti pour les... On sera parti pour les 16... Pour les 10 derniers kilomètres de l'étape, pardon. Allez, Toulok et le Danois qui sont lâchés. Au moins, ils auront fini le Tour de France. Après, peut-être qu'ils vont être en délai, mais au moins, ils auront été presque au bout. Allez, 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 revenir sur le groupe là, rapidement. Ça va redescendre un petit peu, va falloir en profiter. Et le peloton qui est juste derrière, et j'hésite à me relever carrément. En plus, je suis même pas passé en tête du sprint de ta manière. J'ai vraiment merdé. Mais je pensais qu'ils n'allaient pas sprinter, justement. Ils ont pas sprinté au grimpeur. Et là, ils sprintent pour les sprints de ta manière. Bon. Allez, 30 secondes, ça m'étonnerait qu'on aille au bout. On va quand même tenter, écouter avec Greg Van Avermaet. Je peux pas trop collaborer. Après la descente, je te prends un relais. Allez, c'est parti, ça va descendre un petit peu. Et puis, on va partir pour les 10 derniers kilomètres. Va falloir récupérer dans cette descente. Hein. Va falloir récupérer. Non, le peloton est juste là. Le peloton est juste là, on va se faire reprendre. Et on va jouer le sprint de finale bah avec Van Avermaet quand même. Hein. Ça sert à rien de continuer l'effort. C'est la quick step et la Katusha. La Katusha qui roule. Ça fait plaisir de voir que Kittel il est pas hors délai comme dans les autres opus. Dans l'opus l'an dernier, Kittel il était hors délai à chaque fois sur la dernière étape. Sur l'étape de Chambéry, pardon. Écoutez, ils sont pas bien, mais nous. On n'ira pas au bout quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, même si je continue fort, je sais que j'irai pas au bout. Donc on va attendre le peloton, écoutez. Il reste encore quand même les principaux sprinters. Hein. Bévin lâché. Et on va se reprendre par le peloton. Si je veux, j'aurais pu y aller plus loin. Mais on va quand même rester en peloton parce que ça se trouve, on n'a pas énormément de barre bleue. Ça se trouve, même si on se fait appraver par le peloton avec le rythme du peloton, on pourrait très bien finir en défaillance. Bon, je pense pas quand même. Mais c'est possible. Allez, on rentre dans Pau. On rentre dans Pau et c'est Nikita Pstra qui emmène le sprint là pour Fernando Gaviria qui est bien placé. Peter Sagan aussi. Le maillot vert qui est bien placé. On va dire voilà, comme ça, ça se trouve, ils vont mener le sprint. On va demander à Gerhard de venir nous protéger s'il peut. Pour nous emmener le sprint, ce serait bien. Parce que, ouais, ça se calme. Hein. Non, c'est Serge Poels qui revient. Serge Poels qui revient, il a pris les échappées hier et avant-hier. Mais il est là pour emmener le sprint pour Marco Cavendish. Il y a Char, mais il n'y a pas Guérin. Bon, on va demander à Char alors. On va demander à Char, il est juste là. Allez. Allez, Michael. C'est pas celui qui a la plus grosse pointe de vitesse. Mais quand même. Allez, quelques cours relâchés, mais ils font partie de ceux qui ont roulé pas mal hein, toute la journée. Allez, ils sont tous remontés. On va quand même prendre la roue de Char qui peut nous emmener. Kung aussi qui va emmener. On va donner le bleu à tout le monde. Hein. Maintenant, allez, cette arrivée dans Pau qui est similaire à celle l'an dernier, sauf qu'il y a un virage qu'on prendra pas pareil. Allez, Michael, passe devant moi. Regardez, ça va être quand même juste. Hein. Niveau barre bleue, ça va être quand même juste, donc j'ai bien fait de me relever, je pense. Allez, 3 km. Il y a un moment, au lieu d'aller à droite directement, on ira à gauche. On ira tout droit, pardon. Mais sinon, c'est exactement la même ligne d'arrivée. Hein. Et ça se trouve, c'est comme ça en vrai. Allez. Allez Greg Van Avermaet emmené par Michael Char et voilà. Ça va être chaud hein. Ça va être chaud pour la barre bleue. Ça va passer mais ça se sera joué à pas grand chose quand même. Allez, la porte qui est bien placée aussi. Marc Cavendish aussi, on va prendre la roue de Michael Char qui va nous emmener dans ses derniers mètres. Ou Arthur Vichot quand même Arnaud Démare aussi. Allez, c'est parti. La flamme rouge, on va lancer le sprint. Attention, pas se faire gêner. Char qui nous a un peu gêné. Ok. Oh, on est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on va pas les gagner, aller chercher le top 10, ce serait bien. Et on va aller chercher la 10ème place. C'était chaud, c'était très chaud. Bon, le maillot vert, voilà, on peut dire adieu, hein. Mais c'était très chaud tout de même, cette étape. Et donc, on va chercher, on vient chercher une 10ème place aujourd'hui. Il va monter sur le podium pour... Hop, en plus. Ah, je pensais vraiment que l'échappée habituellement va au bout quand même sur cette étape. Hein.
Là, il y est pas allé, on n'a pas eu de chance. Et donc, Voilà, monsieur. bon bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Victoire de Christophe Laporte, effectivement, je pensais pas. Hein. Mais Christophe Laporte qui vient signer une nouvelle victoire française sur ce Tour de France devant Peter Sagan, Mark Cavendish, Arnaud Démare, André Greipel, Magnus Cornelsen 6e, Sonny Colbrelli 7e, Fernando Gaviria 8e, Roser Kinross 9e. Et nous on vient chercher une deuxième place, tout de même devant des Groenewegen, des Kittel qui s'est déchiré encore. Des Jan Kolb, Kittel, Matthews qui a abandonné le matin où je vous parle. Daniel Benati, Geraint Thomas, Oliver Nason, Nairo Quintana, Henry Schauser et Alexander Kristoff, très décevant, 20e place. Donc voilà pour ce sprint, quelques lâchés. Mais ils ne sont pas intéressés par le maillot jaune, évidemment. Donc pas de danger pour eux. Donc voilà pour cette étape. Victoire de Christophe Laporte qui remonte un petit peu au maillot vert, je pense. Hein, il remonte à la 20e place, effectivement. Bah, d'accord, c'est la seule victoire qui. C'est le seul point qu'il a dû avoir véritablement. Donc on conserve notre jaune. Demain, la dernière étape vraiment très très importante. Il va pas falloir la louper. J'espère que vous serez présents pour vivre cette étape avec moi. Donc le maillot pas qui reste, Caruso évidemment, le maillot vert pour Peter Sagan. On remonte un petit peu avec Van Avermaet, mais même pas du coup vu qu'il a fait un meilleur sprint que nous. Donc là l'objectif va être de conserver cette deuxième place du classement maillot vert de Arnaud Démare. Je pense que ça peut le faire. Le maillot blanc pour Tish Bellotte devant Pierre Latour et Marc Soler. L'équipe c'est la BMC devant la Movistar et la Team Sky. Et le combatif c'est Patrick Bévin. Du coup on prend la tête, mais il va falloir reprendre des échappées hein, parce que Valgren à mon avis il va en reprendre lui aussi, de Rent aussi probablement. Donc voilà pour cette étape, j'espère que vous avez apprécié. Tout de suite le jingle de l'étape de demain. Étape de haute montagne une nouvelle fois entre Lourdes et la Reims, contrairement à ce qu'on peut voir à gauche. On passe pas du tout en Espagne. Ça va être une étape de haute montagne avec 6 cols et côtes répertoriées au classement de la montagne. En vrai, on en aura 6 aussi, car le Soulor et l'Aubisque seront compris dans le même col hors catégorie. Les Borders seront deuxième catégorie. Et il y aura une côte au départ qui sera que quatrième catégorie. Et la côte de troisième catégorie sera quatrième catégorie. Je sais pas si vous m'avez bien suivi. J'espère. En tout cas, demain, Portefeuille favori apparemment. À nous dire l'étape pour qu'il puisse imposer. On en verra. Damiano Caruso et Patrick Bévin d'échapper. Patrick Bévin pour la combativité, quoique il devrait pas tenir beaucoup. Mais de toute façon, il y a le chrono après pour récupérer si jamais il faut reprendre l'échappée sur les champs. Et Caruso, évidemment, pour conserver ce fameux maillot. Vous voyez, pourquoi pas aller chercher une nouvelle victoire d'étape du côté de la BMC, du côté de Damiano Caruso. Ça ferait sa troisième sur son Tour de France. Ça serait pas trop mal quand même. Hein. Un bon bilan, maillot à poids, 3 victoires d'étape. Mais après, c'est pas fait encore. Allez, on se retrouve demain. Nous, on se retrouve cet après-midi. Pour l'épisode 12 du mode pro team avec la suite et le début de notre parrainiste il me semble. Donc voilà, j'espère que vous serez présents. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, on arrive à signer un top 10, voilà c'est cool. Du coup on se retrouve demain, allez, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, l'abonnement et le commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche pardon qui fait la diff, voilà. Parfois il y a des notifs qui s'envoient pas. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, ça me fera plaisir, allez. Le micro qui s'est déconnecté, hop, hop, hop. Pour ma part, c'est un tout free. A plus, les gars.